Bonjour YouTube, de retour pour la dernière vidéo. Et là, cette fois-ci, nous allons parler de Kid. Kid qui est très différente de notre Serge et de notre Lynx. Pourquoi? Parce que c'est une breakeuse et une buffeuse. On se retrouve donc du coup avec une unité totalement différente de nos deux derniers magiciens. Je rappelle donc, c'est vrai que là, cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps parce que je rappelle que j'ai pris en compte et en considération tout ce que vous disiez dans les commentaires, donc j'ai ajouté à la fin de cette VOD mon avis s'il faut invoquer ou non et pourquoi, et en même temps ceux qui préféraient aussi avoir un petit œil côté Gamepedia, et ben on va y faire un tour maintenant, comme ça vous aurez aussi la review pour voir un peu les skills et vous aurez la review ensuite ce que je pense de Kid de mon côté. Donc si ce n'est que les résistances etc, Kid, en fait, bah, c'est tout simplement une breakeuse. C'est exactement, je dirais, ouais, exactement, c'est une énorme copie de Van. On retrouve donc du coup du taunt, du break, des dégâts de feu augmentés sur un CD une fois tous les 3 tours et qui permettra de booster la prochaine attaque de 300% de magie, ce qui est extrêmement important. Possibilité de mettre de l'esquive physique à tout le monde et 135% de killer insectes et pierres. Est fortement dommage, hein. 135%, on n'en veut pas, on aimerait que ce soit 150 au minimum. Ce sont deux killers intéressants et 135, c'est quand même un peu moyen. Et des CD qui sont excellents, mais celui-ci va falloir attendre 3 tours pour l'activer. Et c'est là où Serge permet de réduire ses cooldowns, puisqu'il permet à un allié de perdre des cooldowns sur ses sorts. Un impéril à 150 de feu. Il mettra 15 hits, alors 15 hits, ça hit avec personne, hein, ça va être horrible. Mais donc c'est du 1400 en multiplicateur de dégâts qui permettra de mettre des effets de terrain à 30% de dégâts de feu et 50 résistance de glace côté ennemi, côté allié. Tandis que l'autre CD, la même chose, les effets de terrain, mais surtout un break général sur un ennemi tout en volant un objet, bien entendu. Petit quadra comme ses alliés permettant chaque tour de le récupérer si jamais il y a une mort qui se passe, c'est plutôt sympa et en plus il est infini. Et derrière, des attaques physiques considérées magiques avec donc du coup des Bolting Strike qui vont booster un dernier Bolting Strike, un dernier finish, je dis Bolting Strike deux fois et je sais que c'est une erreur, un dernier finish permettra d'augmenter un peu les dégâts. Ici, encore comme ses amis, nous retrouvons donc du coup 6 killers. C'est une magicienne, même si c'est une breakeuse hein, de base. 300% de True Double End. On a 200% de LB damage. Très peu de choses à terminer du coup. 50% de taunt, c'est excellent puisqu'on a des TM, des STMR qui permettent d'augmenter tout ça. Le chain cap x1, bien sûr, et les auto-LB en X2. Ça, pas trop de surprise. Pourquoi elle ressemble à Van? Parce que tout simplement, un fire finish magique à 150 qui passera à 250 en SLB Salamander et surtout le 160% de impéril de feu. Donc si vous n'avez pas Van, du coup Kid sera plaisante avec les petits breaks de DAG et les breaks de DEF et de SPR pour pouvoir toujours taper plus fort. 70 cristaux, on dit que ces sorts, eux, ne coûteront que... Enfin, que... On est CD qui coûte, hein, mais ça coûte 50 et 30, bien sûr, pour pouvoir activer des effets de terrain alliés et ennemis. Et bah du coup, Kid, et bah on est parti pour parler de moi, de ce que j'ai pu écrire dessus. Et Kid, bah la carte, on se retrouve sur une carte de type Breaker. 100 de magie, 50% de magie, 50% de killer machine, uniquement pour les killers, pour les unités Breaker, pardon, et 100% de LB damage, pareil, les Breaker units only. Donc, je rappelle que c'est en dessous du personnage une petite flèche violette qui vous permettra donc de, du coup, en fonction de la forme, hein, attention, ce n'est pas parce qu'une forme est breaker et que l'autre ne l'est pas, que dans les deux cas, les effets de la carte vont s'activer. Au contraire, ça n'activera que seulement dans l'endroit où il y a breaker units only. Là, pour le coup, nous sommes sur des unités SLB, pas trop de problèmes là-dessus. La tenue de Kid, 20 d'esquive physique et 10% de taunt. Une tenue qui pourrait remplacer celle de FF9, la tenue de voleur de Jidan, mais bon, Jidan c'est tellement fort que c'est un peu compliqué. On va dire qu'on va la prendre, on va la faire juste pour les taunts, ça c'est plutôt ok. Même si pareil, du taunt, on a eu des big wedge, on a eu plein de trucs qui permettent
Des Jesse, pardon, pas Big et Wedge, hein, mais c'était Jesse de FF7. Permettait d'avoir de la taux de provocation. Un peu dommage que ce soit pas meilleur et surtout pas complémentaire en rapport à ce qu'elle a. Parce que imaginons qu'on mettrait la dague, il y a eu un upgrade d'ailleurs, donc 20% de taunt aussi. L'autre côté, 10%, ça en fait 30, 30 à la 50 nativement, on arrive à 80. Il faudra forcément un objet de Jesse pour pouvoir terminer à 100% de taunt. Alors que, bon, bah, ces 20%, ils auraient pu être 10 sur la dague et 10 sur la tenue. Et passer à 30 pour dague et 20 pour la provocation sur la tenue du kid. Bon, dommage quand même sur ce côté-là, et j'aurais bien aimé qu'un complément soit fait automatiquement et non pas à devoir chercher quelque chose en extérieur. Du coup, la dague prismatique a eu un up. Pourquoi un up? Bah, tout simplement, c'était une dague à une main qui est passée en deux mains. Tout simplement. Avec 20% d'esquive physique et 20% de taunt. C'est une dague magique. Je ne vous conseille pas à faire en plusieurs exemplaires. Parce que nous avons des bâtons qui sont bien meilleurs et qui sont à deux mains aussi en étant neutre. Donc, peu d'utilité de se retrouver avec une dague pour un magicien. Surtout que le break dague, pas non plus courant de ce genre d'objet chez un magicien. Le gain chez Kid, ce sera 30% d'esquive physique et 50% de taunt. J'ai oublié le pourcentage sur le 30, pardon. Et 1500 de magie. Les avantages de Kid, tout comme ses amis, elle a donc du coup de la résistance élémentaire sur tout le monde, avec 60% sur le feu, tout le reste à 30%, sauf élément opposé, la glace bien sûr à 0%. Mais bon, nous avons un effet de terrain qui permet d'augmenter les 50%, donc ça se palie très vite. C'est une équivalente à Van dans tout ce qui est break, break de dague, etc. Il y a vraiment tout ce qui est là, hein. Elle a un break de dague, elle a les breaks de stats qui sont les mêmes, et on a surtout l'impéril de 160% au feu qui est le même. Un effet de terrain qui boostera donc du coup 30% de DPS feu et 50% de résistance à la glace avec un impéril à 150%, mais seulement disponible au tour 3. Nous avons ensuite des killers, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à 135% sur l'insecte et la pierre, ainsi que poser deux esquives physiques à tout le monde. Et Kid, comme les deux autres, sont à la 6 des 12 races de killers, qui est donc du coup à 200%. 100%, donc encore une fois, c'est quand même extraordinaire, hein, puisqu'on se retrouve donc cette fois-ci sur du dragon, de l'insecte, de la bête, de la machine, du mort-vivant et de la pierre. Et donc de très bons killers, tout de même. Mais le problème, le défaut, bah, c'est que si vous avez déjà Van, quelle est l'utilité d'aller chercher Kid? Le taunt, l'esquive, il n'y a rien de plus si ce n'est que l'effet de terrain en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, mon avis, c'est que si vous avez Van, ce n'est pas utile d'aller chercher Kid. Et que si vous n'êtes pas fan de Chrono Cross, eh ben, Kid ne sera pas plus utile que ça. Et ça, c'est un peu le côté un peu dommage que je dis au niveau du personnage. Puisque il y avait un milliard de choses à pouvoir améliorer. Comme par exemple, le taunt et les... Enfin, rien que ces deux trucs-là, ils pallieraient à tout ce qu'elle a à côté, être à 100% automatiquement, bah ça aurait été cool. Là, on se retrouve sur un taux d'esquive donc à 50%, moins... Alors oui, j'ai pas encore la dague, donc du coup, on serait à 70. C'est quand même assez bizarre, parce que normalement, je devrais en avoir encore plus. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas activés, il y a des bugs. Bon, ouais, hein, d'accord, on va laisser. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait cette histoire de bugs. Mais enfin, ça reste quand même assez moyen. Alors peut-être que le bug en fait est corrigé. Peut-être moi en fait qui avec la, il est déjà minuit et donc je fatigue et peut-être que j'en suis plus là. Mais donc pour moi encore une fois, ce sont des unités qui sont là présentes. Donc Kid ne fait pas forcément du DPS. Hein. Kid c'est une LB, une SLB qui va ne faire que 250 en dégâts de feu. Elle est loin, très loin, très loin, très loin en rapport à nos certains personnages de type feu. Je vais prendre Teyvas, hein, qui doit être à 350 maintenant, ou peut-être même il est passé à 400, je ne sais plus. Mais voilà, son rôle n'est pas de taper, son rôle étant de breaker. Mais encore une fois, oui, le 160% de feu, c'est bien.
Bah, moi, j'ai récupéré Van, j'ai récupéré par le plus grand des hasards. Et Van, bah, c'est exactement pareil. On se retrouve avec des killers à 160%, des Imperil à 160, des dégâts en triple BS en 250. C'est exactement sa copie conforme. Dès que lui, il a quand même des soins, des V-Max, des dissipations en plus. Il y a quelques trucs qui sont pas de l'autre côté, quoi. Dommage. Vraiment, pour Kid, sachant que côté japonais, c'était pareil. Hein. Van était sorti avant et Kid est sorti après. Heureusement qu'elle a sa dague en deux mains, parce que sinon, ce serait vraiment catastrophique. Mais c'est quand même déception si vous avez la chance de l'avoir, le petit Van. Surtout, n'allez pas chercher à vouloir avoir Kid. Sauf, vous êtes encore une fois des fans. Moi, je vous souhaite à tous donc, du coup, un excellent week-end en espérant que ces trois reviews, parce que je viens de terminer les enregistrements, vous ont été utiles hein, et que la nouvelle forme, le nouveau format vous plaît. N'hésitez surtout pas à revenir en commentaire. Je sais qu'il y a eu un commentaire, oui, ça reste encore trop long. Je blablate aussi à côté, je donne aussi mon avis, je fais mes vidéos, puis après tout, bah, ça fait 12 minutes. Hein. Donc du coup, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, ciao !